Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rina. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Et je vous parle de la Southern Honor Wrestling, 24e chapitre. Enfin, je sais pas comment ils appellent ça, c'était le show 24. Vous savez que j'aime beaucoup vous parler de la SHW, qui est une promotion très sous-cotée, pardon, basée en Géorgie. On était toujours dans l'Action Building à Canton, dans la Géorgie. 417 personnes dans l'arène. Donc ça fait toujours plaisir, même si bon, la Southern Honor Wrestling fait partie de ces promotions et pas mal la Géorgie, qui est un état du Sud, à s'en battre les couilles des masques, des distanciations sociales, etc. Bon, ça c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Et vous savez que la Southern Honor Wrestling est l'une de mes promotions préférées sur le circuit indépendant américain, la plus sous-cotée à mon goût, qui met en place leur propre storyline, etc. Et vous allez voir que ça va avancer encore une fois. On est parti pour SHW 24. Et nous commencions avec Chris Banks qui vient au ring, qui doit affronter donc Gunnar Miller. Mais avant le match, il prend le micro, il fait son intro habituel. Voilà, il se présente en disant qu'il vient de New York. Il donne, voilà, il donne sa taille, son poids, machin, avant de dire qu'il donne 5 secondes à tout le monde pour profiter de son corps. Sauf que Gunnar Miller, lui, il n'a même pas 5 secondes. Il arrive et le combat se lance. Gunnar Miller face à Chris Banks. À noter que le Little Poison, donc Corey Hollis et Michael Julas, viennent aux abords du ring pour regarder le combat de Gunnar Miller, puisque je vous rappelle que Corey Hollis a déjà proposé à Gunnar Miller de rejoindre le Little Poison après avoir dégagé Brady Pierce du clan lors du dernier show. Et d'ailleurs, Coriolis va un moment dans le combat se rapprocher du ring pour encourager Gunnar Miller, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que Chris Banks va reprendre l'avantage. Enfin, on ne s'y attendait pas du tout, parce que alors, Gunnar Miller, il est booké comme le Goldberg de la Southern Honor Wrestling. Il est même quasiment vendu comme ça. Son moveset est inspiré à un Jackhammer, donc c'est vraiment le Goldberg de la Southern Honor Wrestling. Et là, Chris Banks va dominer Gunnar Miller, quelque chose qu'on a très rarement vu. On va avoir un combat un peu plus long que les combats habituels de Gunnar Miller, donc c'est vraiment très étonnant. Maintenant, le combat en lui-même, c'est du basique au possible, puisqu'on a deux lutteurs très moyens, et particulièrement Gunnar Miller qui est lui vraiment pas bon. Hein, c'est bon, voilà, je le compare à Goldberg, mais c'est Goldberg sans le charisme et encore moins bon que Goldberg dans le ring. Donc voilà, c'est vraiment pas bien. Même s'il y a un spot final plutôt cool où Gunnar Miller va gagner avec un jackhammer, mais un catching jackhammer avec Chris Banks qui avait tenté un truc du haut de la troisième corde. Une victoire de Gunnar Miller, une étoile trois quarts, c'était pas très bien. Mais post-match, le Little Poison vont tendre la main à Gunnar Miller pour continuer à essayer de le faire rejoindre le clan. Mais Gunnar Miller va refuser à nouveau. Est-ce que Gunnar Miller va rejoindre Corey Hollis et Michael Julas pour un petit peu remplacer Brady Pierce? En tout cas, c'était pas le combat n'était pas très bon, mais de toute façon, quand tu vois Gunnar Miller dans un ring, tu sais que ça va pas spécialement être bon. Mais il n'est pas spécialement dérangeant en soi. Voilà, là dans la mid-card, bon, why not? Ouais, bon, une étoile trois quarts, c'était pas très bien, mais ça m'a pas dérangé. J'adore le Little Poison, j'adore le duo de Coriolis, enfin, j'adore particulièrement Coriolis. Je trouve que Michael Judas fait très bien son travail de bodyguard, donc j'ai aucun souci avec ça. David Ali, le champion de la Southern Honor Wrestling, vient en ring. Il doit défendre son championnat mondial contre Sunny Days, mais ça, c'est dans le main event, donc on se demande ce que vient faire David Ali. Il prend le micro. Et pendant ce temps, il y a Austin Towers, qui est son bodyguard, pardon, qui est en train de défoncer une meuf jusqu'au ring. Il la traîne, enfin bon, ok. Et il a une nouvelle catchphrase, David Ali, c'est tout simplement Alléluia. Et du coup, il demande à l'annonceuse de dire et de répéter Alléluia. Il demande au commentateur, il s'exécute. Et il dit voilà l'exemple de ce que devrait être la loyauté dont il devrait faire preuve le public. Puisque David Ali se surnomme le sauveur de la Southern Honor Wrestling. Il demande au public donc de dire Alléluia, mais ils veulent pas. Donc il insiste, il dit dites Alléluia, le public ne veut toujours pas. Et donc il y a cette... excusez-moi, oh, ma voix. Il y a cette meuf qui est
KO par terre, enfin, t'es à genoux. Je sais pas qui c'est, hein. Je pense que c'est une catcheuse, mais je vous avouerai que je ne sais absolument pas qui c'est. Bref, on s'en fout un peu. Donc, il s'apprête à la frapper avec sa batte de baseball entourée de barbelés. Et le public, bah, il continue à ne pas vouloir dire Alléluia, il s'en bat les couilles de cette meuf. Et il dit que la seule erreur qu'il a fait, David Ali, et il l'assume, c'est de ne pas leur avoir tourné le dos plus tôt. Au public, eux qui n'ont jamais cru en lui. Il s'apprête donc à placer ce coup de batte de baseball, mais Dylan James va venir faire le save. Alors Dylan James, c'est tout simplement Sunny Days hors gimmick. C'est Sunny Days sans le face paint, sans voilà. Donc il vient faire le save avant que David Ali ne crie que cette salope lui appartient et qu'il est le meilleur lutteur de la Géorgie. C'est un angle plutôt honnête pour un petit peu build le main event. Why not? Allez, Jordan Kingsley face à Cal Matthews. Alors, Jordan Kingsley, membre de l'Honor Society, et Cal Matthews, membre de la Technical Excellence avec Chip Day, qui ont donc un nom d'équipe dorénavant. Et en fait, Jordan Kingsley affronte Cal Matthews et Chip Day affrontera Kevin Ryan un petit peu plus tard. Bon, on a une domination avec une bonne huit de Jordan Kingsley. C'est très étonnant parce que Jordan Kingsley, je l'ai déjà dit dans les reviews de la Southern Wrestling, le mettre en heel, c'est particulièrement étonnant parce que c'est vraiment le profil type du babyface underdog. Mais franchement, il réussit très bien sa mission, j'ai rien à dire, sur la heat de Jordan Kingsley. Il a aussi, on va pas se mentir, été aidé par un très bon travail de mise en avant de la part de Cal Matthews, qui est très expérimenté et ça se ressent. Il va avoir un bon comeback dans le combat, mais Jordan Kingsley va réussir à reprendre l'avantage grâce à un coup de canne de Logan Chase dans le dos de l'arbitre. Logan Chase qui est un peu le leader, manager de l'Honor Society. Et ça permet à Jordan Kingsley d'enchaîner pour remporter le combat. 2,5, c'était plutôt honnête. Et post-match, l'Honor Society vont continuer d'attaquer Cal Matthews, mais Chip Day va venir faire le save et son combat face à Kevin Ryan se lance directement. On perd pas de temps. Et là encore, on a un combat plutôt honnête, avec une grosse domination et un gros match de la part de Chip Day qui va parfaitement jouer son rôle de vétéran face au très jeune Kevin Ryan. Je crois que Kevin Ryan n'est même pas majeur aux États-Unis. Donc c'est assez impressionnant, ou tout juste, en tout cas il a 21 ans ou moins, et c'est très impressionnant. Chip Day va malheureusement pour lui être déconcentré par Jordan Kingsley, qui continue d'attaquer Cal Matthews à l'extérieur. Kevin Ryan essaye de le surprendre, mais Chip Day va finalement surprendre Kevin Ryan en le contrant, et en gagnant sur un roll-up. Un combat plutôt honnête là aussi, victoire de Chip Day, 2 écarts, donc ça égalise 1 pour l'Honor Society, 1 pour la Technical Excellence. Post-match, la Technical Excellence continue d'attaquer l'Honor Society qui va fuir comme des lâches. Ok, why not? Ashton Starr vient au ring pour sa Pelly Party. Donc la Pelly Party qui est... Alors, lors du dernier show dont je vous ai parlé, il y avait eu ce match Pelly Party entre Vary Morales et Ashton Starr qui était finalement le combat où Ashton Starr faisait les règles. Là, la Pelly Party va se transformer en une espèce de talk show. Et donc, il host cette Pelly Party, il trash talk avant d'accueillir son guest Owen Knight. Et Ashton Starr dit qu'il est désolé. Il n'a pas de chaise, rien d'ailleurs pour l'inviter. Et il va lui poser une question. Donc, il lui tend le micro. Mais en fait, il lui dit « Ah, ok, tu sais, il lui laisse même pas le temps de répondre. » Donc, ça énerve un petit peu Owen Knight. Au début, ça le fait rire. Mais en gros, ce qui énerve Ashton Starr et ce qui ne fait ne même pas lui laisser le temps de répondre à Owen Knight, c'est qu'il n'a pas de chaise lui non plus. Bon, il va demander à Owen Knight ce que ça fait d'être face à lui, un ancien champion mondial de la Southern Honor Wrestling, une star de la télévision américaine. Mais il ne laisse encore une fois pas le temps de répondre. Il fait la même chose. Il tend le micro pour l'enlever une seconde plus tard. Owen Knight, ça va le saouler. Il va faire un truc qui va énerver Ashton Starr, c'est qu'il va prendre une chaise et il va s'asseoir. Mais ce qui saoule Ashton Starr, c'est que c'est son show, c'est sa Pelly Party, mais lui n'a pas de chaise. Et il dit à Owen Knight, tu mérites pas d'avoir de chaise dans mon show, mais Owen Knight, il lui prend le micro des mains, et il dit que d'accord, il a échoué lors du dernier show, puisque je vous rappelle que lors du dernier show, il a perdu sa chance au championnat mondial de la Southern Wrestling face à David Ali dans un steel cage match. Mais il dit que c'est pas une raison pour ne pas le prendre au sérieux. Ashton Starr lui prend le micro à son tour et lui dit qu'il va lui botter le cul avant de se faire couper par un revenant du côté de la Southern Honor Wrestling, AC Mack,
qu'on n'avait pas vu depuis le Rumble Jack 2020, donc qui était en août. C'était la première fois que je regardais de la Southern Wrestling, vous en avez fait la review. Et AC Mac prend le micro. Il demande au public de l'excuser d'avoir disparu aussi longtemps, mais apparemment tout va bien, vu que le public le cheer. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe dans cette pay party, parce que la dernière fois qu'il est venu, aucun de ces deux hommes n'était tombé aussi bas. Il demande à Owen Knight comment il a pu perdre face à David Ali, lui la loser, qui est devenu champion mondial depuis qu'il est parti. Il dit qu'il a perdu dans un combat en cage, et d'ailleurs, en parlant de cage, la dernière fois qu'elle avait été utilisée avant le combat entre Owen Knight et David Ali, c'était avec Ashton Starr. Et c'était le moment où il était resté champion mondial, combien de temps, genre 30 minutes à peu près. Donc ça va saouler Ashton Starr, qui lui prend le micro des mains, et il dit que c'est pas parce qu'il est parti plusieurs mois juste parce qu'il faisait que perdre, qui peut se permettre de revenir comme ça et de faire le malin. Owen Knight, il dit « Oh, on se calme, on arrête, c'est ridicule. » Mais ils vont se faire couper tous les trois par le General Manager Gary Lemb. Il leur demande de juste fermer leur gueule et il demande à AC Mac ce qu'il fait de retour. Et il dit « Bon, vous voulez jouer à ça ?» Il appelle un arbitre et il lui demande de sonner la cloche. Et un combat se lance, Triple Threat Match, Owen Knight contre Ashton Starr contre AC Mac. Et Owen Knight, il va jeter directement sur ses adversaires. Sauf que AC Mac et Ashton Starr, ils vont se dire, bah tiens, on va faire équipe, ils se mettent à 2 contre 1 sur Owen Knight. Mais il y a évidemment ce moment où l'un des deux va tenter le pin, et c'est Ashton Starr qui va tenter le pin sur Owen Knight. Mais AC Mac va donc l'en empêcher, inversement. Sauf que pendant ce temps, bah, Owen Knight, il va en profiter pour revenir dans le combat. Mais pas si longtemps avant qu'AC Mac le calme. Et Ashton Starr d'ailleurs qui finit par attaquer AC Mac, donc finalement ça se transforme en vrai Triple Threat Match. A noter que le combat est beaucoup trop long pour trois workers aussi green, qui certes ont du potentiel, même si je commence à me demander si Ashton Starr n'est pas juste un mauvais catcher. AC Mac, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, mais qu'il devrait plus se tourner en tant que babyface plutôt que heel. Et Owen Knight, bon, il est jeune. Il est pas mauvais dans le ring, mais je trouve qu'il voilà, il a pas de facteur X, il dégage rien. Et ça, c'est dommage, mais je pense qu'il peut vraiment s'améliorer. Heureusement, il y a une bonne alchimie globale. Parce qu'ils ont tous les trois un style de catch très similaire, donc finalement, ça va un petit peu rattraper cette qualité de combat. A noter le gros match de la part de Wayne Knight, qui a clairement été le MVP de ce combat et qui a rattrapé la qualité de match face à des Ashton Starr et AC Mac, qui sont pas des catcheurs fabuleux. Donc, une victoire finale, mine de rien, d'AC Mac. Qui va remporter ce combat pour son retour. Et ça fait plaisir, je trouve qu'il est bien booké. Du côté de la Southern Honor Wrestling, contrairement à l'Action Wrestling, où je le trouve vraiment overbooké, là, je le trouve plutôt à sa place, dans la mid-card, comme ça, c'est plutôt chouette. 3 étoiles, c'était un très bon combat, peut-être le meilleur qualitativement de la soirée. C'était un très bon triple threat, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Un combat que j'attendais beaucoup, les All-Star Special, première fois que All My Beer Hanson et William Huckabee font équipe, affronte les Exotic Youth. Alors pourquoi j'attendais beaucoup ce combat? Tout simplement pour voir un certain Zach Mosley en action. Zach Mosley, c'est la moitié des Exotic Youth et je l'adorais. Alors comment j'ai découvert Zach Mosley? C'est tout bête, c'est par Facebook. Tout comme c'est la même manière dont j'avais découvert Ichiko Skogar. Ben ouais, j'ai découvert Zach Mosley par Facebook et je me suis dit putain, ce mec il a une vraie gueule, un vrai physique et tout. Et donc la première fois que je le voyais en action, et j'ai adoré, c'est vraiment un bon worker qui a un très gros potentiel. Par contre, son partenaire, donc dans les Exotic Youth, qui s'appelle Bryce Cannon, ben, j'ai pas spécialement apprécié. Alors, à noter que les Exotic Youth sont équipe uniquement depuis un an, mais moi, ça me fait chier pour Zach Mosley, qui, je pense, a beaucoup plus à faire en équipe, qu'en équipe. Je vous avouerai que j'ai pas compris le fait qu'il s'allie avec ce Bryce Cannon, enfin, qu'il fasse équipe avec ce Bryce Cannon, bon. Ça va être un combat assez basique. Et Bryce Cannon, au début du match, il va offrir une bière à William Huckabee qui boit, mais il la trouve pas bonne et il crache la bière à la gueule de ce Bryce Cannon. Le duel, d'ailleurs, Bryce Cannon et William Huckabee est très axé comédie. Why not? Parce que c'est pas deux catcheurs vraiment très bons. On va avoir une domination des Exotic Kios avec une hit malheureusement pas des plus intéressantes, hormis Zach Mosley qui va s'en sortir. Une nouvelle fois beaucoup mieux que Bryce Cannon. Il est meilleur dans tous les domaines que son partenaire. C'est un petit peu dérangeant de voir une équipe aussi inégale que ça.
Malheureusement, ils sont pas aidés par le très mauvais travail de Babyface de la part de Almighty Ranson, puisque Almighty Ranson, qui est un petit peu considéré comme le maillon faible des All-Star Special, n'est vraiment pas un bon catcheur. Déjà que William Okabe n'est pas non plus un bon catcheur, c'est juste que c'est un big man. Et du coup, on va pas se faire dominer, pardon. J'ai mis tellement de fois le mot faire, c'est incroyable. Enfin, c'est pas lui qui va être dominé, mais Almighty Ranson. Et alors que ce dernier s'apprête à faire le tag avec William Okabe, Bryce Cannon va prendre une espèce de bague de glace et le frapper au niveau de la tête, dans le dos de l'arbitre évidemment, mais Almighty Ranson, combatif, va se dégager. Et on a une victoire finale des All-Star Special, malheureusement sans surprise. C'est vrai que j'aurais aimé une victoire des Exotic Heroes uniquement pour Zach Mosley, que j'aime beaucoup. Mais post-match, les All-Star Special n'ont même pas le temps de célébrer que Cyrus the Destroyer va les attaquer. Cyrus the Destroyer, membre de l'Honor Society, qui a perdu la semaine dernière par count-out. Le mois dernier par count-out face à Almighty Ranson à cause d'une intervention de William Okabe. Donc ça fait sens que Cyrus the Destroyer vienne intervenir post-match. Donc ouais, Zach Mosley, vrai catcheur à surveiller. Malheureusement là, sur ce show-là, il faisait équipe avec un catcheur vraiment pas bon. Alors à noter, j'ai oublié de le dire, on me l'a demandé, le show est disponible sur IWTV. Désolé si je le rappelle pas en début de vidéo. Il faut que je m'y fasse, voilà, parce que c'est une demande qu'on m'a faite. Donc voilà, faut que je m'y fasse à le répéter en début de vidéo, enfin du moins à le dire en début de vidéo. Austin Towers, le bodyguard de David Ali, fait face à un certain Sin Bodhi. Sin Bodhi, que vous aviez peut-être connu du côté de WWE sous le nom de Keith Arney. Oui, oui, ce mec qui était resté, qui fait ses débuts contre et qui bat MVP avant de ne plus jamais le revoir gagner un combat. Il avait fait ses débuts du côté de SmackDown avec ses promos où il était dans un cirque. On comprenait pas trop. Et donc il a continué de catcher, il est chez OVW machin, et là on le voit du côté de la Southern Honor Wrestling. Et il a pris de l'âge, hein, le monsieur. Ça se ressent, mon dieu, il a totalement changé physiquement. Et c'est pas très bien dans le ring, quoi. On a une domination d'un Sin Bodhi qui est plus du tout en forme, en plus d'être face à un worker très moyen qui est Austin Towers. Bon, ça défaveur, Austin Towers c'est très grand. Donc forcément, quand t'es aussi grand qu'Austin Towers dans le ring, c'est compliqué d'être extrêmement bon. Mais le problème, c'est que le combat, il est beaucoup trop long pour eux. Pour un Austin Towers qui n'est pas un bon catcheur, et pour un Sin Bodhi qui n'a jamais non plus été un grand catcheur, mais encore moins en 2021, le combat est incroyablement approximatif. C'est vraiment pas bien, une victoire d'Austin Towers, une étoile trois quarts, un petit peu par charité, parce que ça les vaut même pas. C'était vraiment pas bien du tout. Le GM, Gary Lem, vient à nouveau au ring, et il dit qu'il nous avait promis un match de championnat par équipe le mois dernier, mais il nous montre une vidéo où le Lynch Mob, les champions par équipe de la Southern Honor Wrestling, se font attaquer sur le parking. Où je crois que c'est l'un des deux membres d'ailleurs du Lynch Mob. Donc le Lynch Mob ne pourra malheureusement, une nouvelle fois, pas être là ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont, legit, s'ils sont blessés ou pas, ou si l'un des deux uniquement, mais en tout cas... ça va pas faire plaisir au challenger numéro 1, le Little Poison, Coriolis et Michael Julas, qui vont couper Gary Lemb. Et Coriolis, il dit, écoute, même si je te déteste, Gary Lemb, on se déteste mutuellement, on va essayer de mettre ça de côté ce soir, parce qu'ils doivent avoir cette chance au championnat par équipe. Ils l'ont gagné, donc ils ont le droit. C'est dans le contrat, alors que l'on leur remette les championnats par équipe tout de suite. Coriolis, il veut ses titres par équipe, il veut du moins cette chance au titre, mais comme le Lynch Mob n'est pas là ce soir, il demande carrément qu'on lui donne les ceintures. Ça va énerver le GM Gary Lemb, qui dit que ça fait 2 ans qu'il supporte les conneries de Coriolis, du Little Poison, machin, et c'est à tout sauf à eux de leur dire quoi faire. Michael Julas, le bodyguard de Coriolis, moitié de Little Poison, va choper Gary Lemb par le callback. Mais les Technical Excellence, Chip Day et Cal Matthews vont venir faire le save. Gary Lem les prévient de ne plus jamais les toucher. Et pour la peine, ils demandent, on sonne la cloche. Et Little Poison affronte les Technical Excellence. Deuxième combat de la soirée pour Chip Day et Cal Matthews. Et donc le combat se lance, on a un combat très basique. A noter que Coriolis a malheureusement changé d'outfit. Il catch avec un slip dégueulasse alors qu'avant il avait un legging, enfin je sais pas comment on appelle ça, un pantalon quoi tout simplement. Qui était très stylé. Là, il catch avec un slip immonde.
Même pas un slip, vous savez, ce truc là qu'avait par exemple John Moxley quand il catchait chez New Japan, cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vraiment de la merde, un espèce de gros caleçon. Je déteste les catcheurs qui catchent avec ça. Enfin, non, ça dépend. Mais là, pour le coup, Corey Lee, ça ne lui va pas du tout et je regrette son espèce de pantalon très stylé. On a une domination du Little Poison sans réelle surprise. Il y a un bon attaque de Chip Day qui va justement casser cette domination. Malheureusement, le gros bémol, c'est que j'ai ressenti aucune alchimie particulière entre les deux équipes. On a Michael Julas qui est un big man très classique qui fait son taf. Il y a Coriolis qui est un peu un catcher old school, un peu considéré comme un redneck. Et il y a Chip Day, Chip Day c'est un all-rounder, et Cal Matthews qui est un catcher très technique. Mais du coup, je trouve qu'il n'y a aucun lien entre tous les catcheurs, il n'y a pas d'alchimie particulière. Et j'ai pas trouvé que c'était un combat fabuleux, il n'y a rien de mauvais, attention. Mais ouais, j'ai pas ressenti de réelle alchimie entre les deux équipes. Une victoire des Little Poison, 2 étoiles et demie. Et le mois prochain, ils auront logiquement cette chance au championnat par équipe. Et ça a été officialisé. Si le Lynch Mob n'apparaît pas au prochain show, ils seront destitués des championnats par équipe officiellement. Le main event. David Ali défend le championnat mondial face à Sunny Days. Sunny Days, que vous aviez peut-être vu du côté d'Elite Wrestling lors du tout premier combat de l'histoire de... le deuxième combat de l'histoire d'Elite Wrestling dans le buy-in de Double or Nothing. C'était dans la Casino Battle Royale, il y avait Sunny Days. Pour ceux qui s'en rappellent, avec ce face paint jaune. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on sera en live samedi soir pour la preview d'Elimination Chamber 2. Non, ça, c'était il y a quelques semaines. La preview de Revolution avec toute l'équipe de J-1. Nouveau pay-per-view de Elite Wrestling. Bref. D'ailleurs, putain, oui, il y a une promo package pour un petit peu récapituler la feud avec un titre de Shinedown, qui est un groupe que j'adore, qui chante le... C'est pas eux qui chantent... Enfin, si... C'est pas, ils n'ont pas fait le thème de Men's Warner, c'est Men's Warner qui l'utilise en tant que thème song, mais c'est le thème song de Men's Warner, Simple Man de Shinedown. Ils ont fait une promo vidéo, et en fait, il faut savoir que Southern Wrestling, c'est basé en Géorgie, tout comme Elite Wrestling, et la Southern Wrestling est quasiment utilisée comme fédération de développement, entre guillemets, d'AEW. Il y a beaucoup de catcheurs de Dark qui viennent de la Southern Wrestling. Par exemple, David Ali a beaucoup fait Dark, même si ces derniers temps, plus du tout. On voit plus du tout les David Ali, les Coriolis, les Ryan Rembrandt, tous ces mecs qu'on voyait au début. Après, il y a des mecs comme Griff Garrison, Sean Dean, Lee Johnson, Alan Angels. C'est des mecs de la Southern World Wrestling à la base. Et Alan Angels, par exemple, c'est le tout premier champion de la promotion. Et il y a un espèce de lien entre la SHW et Elite Wrestling. Ça se voit. Dans les promos vidéo qui sont magnifiques, c'est exactement la même manière de filmer, etc. Ça se voit. Ouais, ça se voit à 1000 mètres, mais c'est génial. C'est trop bien. Bref, Sunny Days, qui a cette chance au championnat mondial face à David Ali, il va attaquer David Ali avant même que la cloche sonne. On a donc une domination pas des plus intéressantes pour le coup de Sunny Days, qui n'est pas le catcheur du siècle. Mais par contre, je l'ai trouvé très impressionnant sur ses comebacks. Il est... génial sur ses comebacks, il va d'ailleurs faire un gros match. Franchement, j'ai rien à reprocher à Sunny Day, ils ont mis cette domination en début de combat qui n'est pas des plus intéressantes. Et j'ai été étonnamment surpris par son travail de big man, de big guy. C'est un excellent big man. Et pour être honnête, Sunny Day, à chaque fois que je le voyais dans le ring, c'était pas très bien. Là, on est peut-être sur la meilleure prestation, on est clairement sur la meilleure prestation individuelle de la part de Sunny Day que j'ai vu de sa carrière. Il m'a bluffé. En plus de ça, on est aidé par l'aspect David contre Goliath apporté au combat. Il y a une très bonne alchimie qui est très étonnante entre les deux, parce qu'on est sur deux styles de catch totalement différents. Mais encore une fois, je pense que c'est cet aspect David contre Goliath qui a vraiment aidé les deux workers. Donc ouais, c'est un bon combat de catch. Et Sunny Days, il va réussir à placer son pal driver, qui est son finisher, mais Austin Towers, le bodyguard de David Ali, va le sortir du ring. Et David Ali va en profiter pour frapper Sunny Days avec sa batte de baseball. Il perd donc par DQ, mais conserve son championnat mondial. Je sais pas si je suis déçu de la fin, pour être franc, puisque ça va mener à un rematch au prochain show de la Southern Honor Wrestling. Et ce sera un First Blood match. Et pour être franc, un First Blood match sur le circuit indépendant américain, même sur le circuit indépendant en général, c'est extrêmement rare. Donc je suis un petit peu intéressé, intrigué. Donc c'était
dans l'idée de build-up un rematch. On met encore plus de hits sur David Ali. C'est un mal pour un bien. Voilà, on va vraiment dire que c'est un mal pour un bien. Là où je suis déçu, c'est vraiment que je pense que le combat aurait pu être super. Et ça a commencé super bien. Après, ça a quand même duré. Hein. Attention, ça a duré un peu moins de 20 minutes. Mais ouais, je suis un petit peu déçu de cette fin-là. Je pense que si on avait eu une vraie fin, ça aurait été un excellent combat. Là, je m'arrête à 2-3 quarts, malheureusement. Pas loin du 3 étoiles, quand même. J'hésite même à mettre 3 étoiles, pour être franc, parce que c'était vraiment pas mal. Allez, je mets 3 étoiles, ouais, parce que c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal du tout. Et post-match, David Ali va continuer d'attaquer Sunny Day, sauf que les lumières s'éteignent et l'instrumental de Heathens des 21 Pilots se lance. Je suis un fan des 21 Pilots, donc je suis content. Et Logan Creed fait son retour à la Southern Wrestling. Austin Towers tente de l'attaquer, mais Logan Creed le chokeslam et offre David Ali en pâture à Sunny Days. On finit avec Logan Creed et Sunny Days qui restent forts. Logan Creed, qui est un big man pur produit de la Géorgie. C'est vraiment un mec centré à la Géorgie, mais depuis peu, il catch du côté de Major League Wrestling, MLW, sous le nom de Matt Krueger, lieutenant de Contra Unit. Voilà, c'est lui sous le masque pour ceux que ça intéresse. Et donc, il fait son retour à la Southern Wrestling. On ne l'avait pas vu depuis pas mal de temps. Ok, je ne suis pas le plus grand fan. J'aime bien Matt Krueger. Je trouve que Matt Krueger est plutôt très efficace. Par contre, Logan Creed, sans le masque, machin, il a un face paint. Ça fait très backyard d'année 2000, tu vois. Très catcher des débuts d'année 2000 sur le circuit indépendant américain. Alors que Matt Krueger a un vrai truc. Même si MLW, c'est vraiment pas top en ce moment. Je trouve que Matt Krueger, c'est une réussite. Moi, j'aime bien. Voilà en tout cas pour cette review de la SHW 24e show. Je sais pas comment ils appellent ça. Bon, SHW 24. Voilà, très bien. Et j'adore vous parler de la Southern Wrestling parce que c'est une promotion qui met en place leur storyline, qui tente des choses et ça me plaît. Voilà en tout cas pour cette review. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.